parce que la police peut localiser le lieu du téléphone. Donc là, ils ont la technologie moderne. 那所以呢，这个因为这个事件刚才说的是2006年发生的，所以其实是非比现在很近的。所以这些年轻人当然像刚才说的，看了很多美国的那些帮派电影等等，所以他们也是有一点科学犯案的概念。所以呢，他们每一次，比方说他要证明说这个那个就是肉票他还是活着的啊，所以他们就要寄照片给家人，给那个肉票的家人，所以他们每一次都会换一个网咖。 在每一次在一个新的网咖，然后开一个新的信箱，再把这些东西寄，就是把照片再寄到那个受害者的家人那边去。而且呢，他们每次用的都是偷来的手机，然后每一次打完电话，这些偷来的手机，他们就会把里面的那个信卡跟电池给拔掉，因为他们知道就是这个警方可以借由就是追手机的这个讯号去找到使用手机的人在哪里。 Bon, alors, un jour passe, une semaine passe, deux semaines passent, la police refuse de payer la rançon. Ils n'ont pas d'argent, hein, ils se sont lancés dans cette entreprise avec 1000, 2000 euros, c'est tout. Le chef du gang des barbares est à Abidjan, il attend qu'on lui envoie l'argent par Western Union, et l'argent ne vient pas, il n'a même plus de quoi payer sa chambre d'hôtel. Donc il commence à s'énerver, alors on a toutes les conversations téléphoniques qui passent, c'est terrible, il insulte le père, il téléphone au père de la victime. Donc à un moment donné, c'est une anecdote que je vous ai racontée tout à l'heure, après deux semaines, le garçon crève de froid au fond de sa cave. Le chef du gang des barbares téléphone à ses amis à Bagneux, il leur dit, bon, les parents veulent pas payer, cassez-lui la gueule, mettez-le en sang, massacrez-le, prenez une photo, et cette fois on va l'envoyer à la famille, et là ils vont payer. Alors, les petits jeunes, ils sont forts, c'est la cervelle, elle est comme ça, hein. Les petits jeunes, pour une fois, ils se mettent à réfléchir. Ça grince un peu dans leur tête, ils se mettent à réfléchir. Il est trop malade, si on lui casse la gueule, il va mourir. Ils ont peur. Hein. Comment ça? Ils ont peur, c'est pas des vrais voyous. Hein. Et ils se disent, mais on pourrait le maquiller, puisque c'est une photo. On pourrait le maquiller. Alors, ils envoient un petit gosse de 17 ans, il s'appelle Bibi. Il envoie à Montrouge, dans la banlieue sud, acheter du faux sang, c'est pour le théâtre. Vous avez des capsules, on traque, il y a du sang rouge qui coule. Va acheter du faux sang à la boutique, et la boutique, elle s'appelait À l'ourson, au petit ours. Une boutique de farce et attrape. C'est horrible, parce que on a toujours envie de rire, mais c'est tellement horrible qu'on peut pas rire, on a envie de pleurer en même temps. C'est un mélange de rire et de pleurs. Et le gosse, il va à l'ourson, il demande du faux sang, et la dame, elle lui dit, mais non, Halloween, c'est pas maintenant, il n'y a pas de faux sang. Alors il retourne voir ses copains à Bagneux, lui, il n'y a pas de faux sang à l'ourson. Alors ils disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on pourrait prendre un cutter. Alors ils prennent un cutter, un appareil photo pour prendre la photo, ils descendent dans la cave, ils voient le malheureux Ilan Halimi menotté, crevant de froid, ils disent quand même, il est un peu faible, on va lui donner à manger. Ils lui donnent à manger un sandwich grec, c'est dégueulasse, c'est un sandwich grec dégueulasse, un Coca-Cola. Et après il l'allonge par terre, sur le journal Le Parisien, pour qu'on voit la date, hein, et il lui donne un coup de cutter sur la joue, comme ça, 6 cm comme ça de cutter, puis ils veulent prendre la photo, après, puis l'appareil, il marche pas. L'appareil, il marche pas, ils avaient même pas mis de pile dans l'appareil, vous voyez, c'était des voyous professionnels. Alors, 最糟糕的事情是说，他们其实真的不是什么很角色，他们真的不是什么最大恶极，或者是说真的已经有很多的犯案经验的。他说，在他去写这个小说之前，去看了非常多的资料，他看了这些非常多的资料的时候，他觉得最糟糕的一件事情是，那里面那么多荒唐可笑的事情，会让你觉得想笑。 可是同时，你笑不出来，因为那是因为就是说生活把他们逼的，就是这群人要做出这么多荒唐的事情。因为这群年轻人，事实上老实来讲，就像刚才说的，他们
根本就不是 不是什么很角色，也不是什么成气候的这种犯罪者。所以呢，要去绑票一个人，他们事实上是没有钱，他们所有的那些犯案的基本的本钱大概只有1000到2000欧元左右。那问题是呢，当警方屡次就是说拒绝他们去交，就是说就是拒绝去付他们赎金的时候，一天两天，一个礼拜两礼拜过去，他们开始慌了。因为比方说刚才提到那个首脑，他跑到那个象牙海岸去，他想说远距离的这样去指挥犯案啊等等，但是钱一直不进来，所以他已经惨到就是连要付旅馆的钱都没有了。那他说在写这个小说之前，他看的所有警方的记录，你可以看得到，就是说那些因为受害者的家属他们有报案，那所有的电话进来的时候，警方都有录音，你就看到他们越来越到后来就是越愤，就是说因为一直拿不到钱，越慌张，越愤怒，越残酷这样子。然后比方说他讲的一个故事，其实就是一个非常悲哀的一个故事，就是两个礼拜以后钱一直不来，然后那个首脑他在那个香港海岸那边已经连旅馆钱都付不出来，他火了，他就跟他的那些小弟讲说，狠狠的打他一顿，揍他一顿，把他打得不成人形，然后拍照寄去给家人，他们就会知道我们是认真的，这样钱就会来的。结果呢，他跟这些小弟讲，那负责看这个肉票的那些小弟，他用了一个非常夸张的方式去说，终于有一次他们开始动一下他们自己的脑袋，这样也就是说这些其实是真的就是不成气候的一些小痞子，然后从来不动脑，他们在那一次终于开始动一下脑袋，因为已经两个礼拜了，然后-4度，那个肉票已经非常非常的弱了，就是说身体已经非常非常衰弱，他们非常担心你把他狠狠的打一顿以后他会撑不下去。他想说反正既然是要拍张照片去寄给那个肉票的那些家人，那我们就弄个假的，反正就是只要拍照看起来很可怕就好。所以呢，他们就派了其中一个17岁的一个小痞子，就是一个笨到不行的小痞子，然后跑到 Monhooch， 就是那个也是郊区的一个地方，跑去那些卖party 用品道具的那些店，要去买假的血，这样。你就去到那个店里面，店员跟他讲说，而且那个店的名字很好笑，叫做小熊啊。然后那个店员跟他讲说，现在又不是复活节，我们没有在卖假血，这样你要买的时候可能复活节的时候才会有卖。所以反正这个小痞子他就傻傻的跑到那个店里面去，然后没有买到假血，就回来跟他的那些大哥们讲了，买不到怎么办。后来终于有一个人，好了，那就是拿美工刀把他脸上刮他的一刀。那真的他们就拿美工刀把他脸上刮一刀，大概6公分长的伤口。那真的要拍照的时候才发现不会用相机，连那个电池都没有放，也不知道要放电池。就是说你看这个，他要强调的是你看警方的这些记录，就是这一些你说是他们动了罪大恶极，法国的媒体把他说成是功德巴巴，那你真的看了解那些细节的时候，那个才是真正的悲哀。Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà raconté, mais là, quand ils ont été arrêtés, les policiers ont demandé à Bibi, là, au petit garçon qui est allé chercher le faux sang, ils ont dit, mais il n'y avait pas de faux sang, vous auriez pu utiliser de la peinture, du vernis à ongles, de la sauce tomate pour le maquiller. Et le petit Bibi répond, monsieur, à l'ourson, il n'y avait pas de sauce tomate. Ah, tu sais,他说事实上呢，等警察把这些人全部都抓到了，然后知道这个故事的，所以问他说，就问那个 BB， 就是那个17岁的小痞子被叫去要买假的那个血的那个，就跟他讲说，你买不到假血，你不会弄个油漆番茄酱也好啊，对不对？你要如果你干嘛拿刀去割他，你反正你们都已经决定只是要弄一张照片去吓他爸妈嘛，对不对？就那个 BB 就跟那个警察说，先生，警察先生，那一家店就是没有卖番茄酱啊，脑袋完全不会变通的。C'est terrible parce que on a envie de rire et on a envie de pleurer parce que ce qui se passe, ce qu'on voit là du point de vue psychologique, c'est l'aliénation. Parce que c'est une aliénation sociale, c'est l'aliénation par la marchandise culturelle la plus basse, et c'est l'impossibilité à ces jeunes de penser. Parce que même pour être un voyou, il faut penser. C'est ça qui est terrible.
那所以对他来说，在这个小说的准备过程跟这个小说书写的时候，他整个感觉到的就是一种哭笑不得的感觉。就是当你知道这些细节，你知道让你哭笑不得的是，这群年轻人他们基本上就是我们现在社会当中这种整个资本社会商品化，然后包括文化商品的这种商品化啊，像刚才说的那些就是拍得很烂的那个美国帮派电影，这种商品化过程当中，他们就是完全吸的这一些，吃的这一些，最不动脑筋，最没有大脑，也使得他们去停止使用大脑的这些东西成长的。那他们当然是吃到，或者是说他们吸收到的是这些最低层的东西，但是它整体来讲，就是一个资本主义社会里面的商品化的一个结果。Oui, alors, un écrivain voudrait inventer ça, c'est impossible d'inventer ça. Moi, ça ne m'intéresse pas d'inventer. J'essaie plutôt de décrypter la société, d'essayer de comprendre. Et je ne comprends pas, hein. Dans mon livre, je ne donne aucune explication. Je donne des faits. Je décris des faits comme des animaux de laboratoire au musée, dans un labo, des hamsters ou des souris. Je décris ce qu'ils font. Mais je suis incapable d'expliquer. Ça me dépasse moi-même. Mon livre me dépasse. On ne peut pas juger. On ne peut pas juger, on ne peut pas comprendre. 作为一个作家，他认为事实上一个作家你是不可能凭空去想象出这些所有的这些细节的。他所扮演的角色，他所试图的做的事情，就像刚才一开始所说的一样，他试图借由这个真实发生的一个社会事件，一个社会新闻，试图的要去了解法国社会现在到底是怎么一回事。对他来说，他只是把这一些他所看到、听到这些警方记录的等等这些所有的东西，去记录下来，然后去重新整理，变成一些文字。他在当中没有给予这些所有的东西任何的分析、批评或者是他个人的意见，他只是试着要去了解，而他觉得他没有权利，也不能够去评断、去评价。Oui, alors ce qui est terrible, bon, on va plus parler d'histoire, parce qu'il faut lire l'histoire, mais ce qui est terrible, c'est que la prison, c'est une catastrophe. Le chef du gang des barbares, qui était déjà fou au départ, il s'enfonce de plus en plus dans la démence. Et en prison, dernièrement, il a poignardé un gardien avec une brosse à dents qu'il a aiguisée. Un an avant, il a réussi à se filmer en prison, à diffuser sur Internet un film qui condamnait à mort une trentaine de personnes, dont moi. Il a réussi à le diffuser sur Internet, parce que c'est interdit en prison mais ils arrivent quand même à voir des... Et la police ne s'est rendue compte que 2 mois plus tard que le film était sur Internet. Donc le type, il s'enfonce de plus en plus dans la folie, et malheureusement, la prison, à part quelques exceptions, ça n'en fait qu'en plus enfoncer les gens dans la connerie, dans la bêtise, dans la folie. 那如果就是有关于这个整个故事，他就不再多讲了，因为大家真的，我个人也非常鼓励，因为我看完真的觉得很好看，鼓励大家就是真的去买这本书来看。那他想要说的事情是说，在这一些所有种种的可怕的事情，还要再补充一点的是，监狱真的是一个非常非常糟糕的，现在的监狱啊，他指的当然是法国。是在一个非常非常糟糕的状态，就是说监狱使得这一些原来已经，如果我们用说误入歧途的人到里面去变本加厉，而且就是他会越来越严重的，就是有那种暴力跟犯罪的那些种种的倾向。他说以这个案件的那个首脑就是 Yosef 的例子来说，当这个他们被捕了以后被关到监狱里面去。到监狱里面去不久之前，他还就是说被关进去没多久，他用一个就是他自己磨尖了的一个牙刷，去刺伤了其中的另外一个犯人。他甚至更离谱的事情是说，他还有办法，你就不知道就是狱政到底已经毁坏到什么程度。在监狱里面当然是不能够带手，不可以带手机或者等等这些东西的。他甚至成功的就是。在里头弄了一段影片，然后里面列出30个他觉得应该把他弄死的人，就包括那个 Spottis 先生，30个他想要把他们弄死、执行死刑的人的影片，然后还可以从网络流出来，
然后警方在两个月之后才发现，哦，原来有这样的一个影片，是他从此就是 Yosef 在监牢里面用他的手机传出来，啊，然后已经流传了两个月的东西。哦，我自己补充一下，台湾的狱政更糟。Et la preuve que tout ça ne devrait pas être désespéré, c'est une question de langage et de culture. Je veux dire, ces jeunes de banlieue qui sortent d'un milieu très humble n'ont pas de langage, n'ont pas de vocabulaire et ils n'ont même pas de grammaire. Ce qui est plus grave, puisque la grammaire, c'est la logique de la pensée. Moi, j'ai lu des lettres, j'ai reçu des lettres de Youssouf Fofana, j'ai correspondu avec lui. Il n'y a même pas de grammaire, de logique dans les phrases, vous voyez. Donc comment voulez-vous qu'on pense s'il n'y a pas de grammaire? Et pourtant, exception, moi, j'ai connu un des meurtriers de l'APA. Je l'ai rencontré en prison après son jugement. Il était complètement analphabète, il ne savait pas écrire, il n'avait jamais lu un livre. Je suis arrivé en prison, je me suis dit, qu'est-ce que je peux offrir à ce garçon? Je lui ai offert plein de livres, dont Crime et châtiment de Dostoïevski, un dictionnaire et une machine à écrire. Il m'a dit qu'il a pris Crime et châtiment, il l'a lu avec le dictionnaire, comme si c'était une langue étrangère. Il l'a lu deux fois. Et lui, en prison, pendant 20 ans, il a eu 20 ans de prison, il a étudié, il s'est reconstruit, et il est sorti de prison, il s'est marié, il a un métier, maintenant il sait écrire, je l'ai rencontré 20 ans plus tard, je l'ai rencontré il y a 6 mois, et il s'est complètement rétabli socialement, intellectuellement et moralement. Mais c'est une exception, c'est 1 sur 10 000. Donc, mais ça prouve bien que ces jeunes ne sont pas bêtes par essence, ils sont abêtis par les conditions sociales. 那刚才提到有关于监狱的这个情况，就是他强调只有极度极端的例外，你可以看到从监狱出来的年轻人，或者说从监狱出来的以前的罪犯，他能够回归到社会里面的正轨，因为他觉得首先是这些人他们犯罪，然后会开始作奸犯科等等的，事实上是刚才提到的他们的文化程度。他们的语或他们是没有任何的文化程度，他们甚至是没有语汇、没有文法这样的东西。所谓的没有文法，是说，因为比方说像这个故事里面的那个首脑 Yosef， Spottis 先生，他跟他之间有通信，就是说他在要试图了解这整个案子，然后要去了解这个人为什么他会做这些事情的时候，他之间有通信，他收到的信是完全没有任何的文法结构的，没有任何的逻辑可言。因为他强调的没有文法，其实指的是说他完全没有思考的逻辑，他完全没有思考的能力，而这个事实上是他们所存在或者是说他们所在的那个社会环境就让他失去了所有的掌握语汇跟掌握文化的那些能力。相反，他想要举的一个例子就是说，在这个小说里面的三个犯罪的年轻人，其中有一个年轻人啊，20年后他从监狱里面出来了，而且他出来他有了一个工作，然后有家庭等等，然后他还跟他保持有联系，这是一个例外。可是那个例外是怎么产生的呢？就是说，当初那个年轻人他在犯罪然后被抓到牢里面去的之前，他是连一本书都没有看过。然后那个时候为了要试图了解这个故事，要去取材，所以他开始跟这个年到监狱去看这个年轻人。然后Spottis 先生送了他非常非常多的书。一开始的时候，他送给他的很多的书当中，还包括就是杜斯托耶夫斯基的《罪与罚》啊，还有一本字典，一个打字机。那个年轻人事实上是在监狱里面在靠着自己的阅读，然后靠着就是说斯波特斯先生送给他的字典，开始学会阅读。他把那个《罪与罚》看了两遍，然后他是在看的那个过程当中，就好像在学一个外国语一样。但是他是一个纯种法国人，从法国长大的法国人。重新学会了这些文化或者是语汇的东西，然后他说这是一个绝对的例外，可以说就是从监狱出来，你还真的能够成功的融入社会，而且就是说回到正轨，可能是一万个人当中只有一个。Bon, il serait peut-être mieux maintenant d'essayer de discuter avec la salle, parce qu'au fond,
ça doit leur paraître assez exotique, puisque à Taïwan, il n'y a pas de problème de race, il n'y a pas de problème de religion. Donc, ça doit leur paraître tout à fait exotique, j'imagine, tout à fait bizarre, ces problèmes-là. Mais en même temps, ça...他说也许我们现在可以开放，就是让大家来发问，因为他首先他觉得其实事实上我们刚才就已经有稍稍的讨论，他希望有更多的时间可以是跟大家有直接的这些问答交流，另外一方面他可能自己也还蛮好奇的，因为像这样的一个小说也许对台湾的读者来说是具有一定的异国风情的，因为在小说里面比方说讲到的这些种族的问题，或者是说基本教育派的这种宗教的问题，在台湾就他了解好像相对的是比较不存在的。不管怎么样，他很希望能够跟大家有更多的对话，然后回答大家的问题。但是我们首先是不是先谢谢他那么精彩演讲？所以来，真的建议大家赶快把握机会问问题哈、哦。我自己的主持的经验都是刚开始的时候大家会很害臊，但是到要结束之前才同时好几只手，那我就无能为力，赶快把握机会。好，请先说。那个他说那个主脑是象牙海岸的人，啊，象牙海岸是法国的殖民地嘛，哈，啊，为什么在法国的殖民地有会产生那么没有文化、那么没有逻辑的农夫出现？农夫是那个 Joseph 的父亲，那个小孩，但是他其实是在法国长大的，出生长大的。啊，你说象牙海岸不是法国的殖民地吗？Je pense avoir compris. Vos frères, il est français, oui. Non, non, non. En fait, il pose une question. Vous avez dit que les parents de Joseph sont venus de Côte d'Ivoire. Voilà. Et Côte d'Ivoire a été colonisée par les Français. Et donc, il pose la question de comment ça s'est fait que Côte d'Ivoire, colonisée par la France, mais pouvoir avoir des citoyens ou bien des populations qui sont si peu cultivées. Bah, vous savez, le colonialisme, c'est pas brillant. Je suis né dans une colonie, moi. Je suis né en Algérie. Et en Algérie, il y avait un apartheid. Les Arabes étaient d'un côté et les Français étaient de l'autre. Moi, dans mon lycée, j'ai vécu jusqu'à 15-16 ans à Alger. Il n'y avait pas un Arabe. Moi, quand j'étais petit, j'avais pas un seul ami arabe et je ne parlais pas un seul mot d'arabe. Je ne connaissais que les insultes en arabe. Donc nous avons été élevés dans une éducation raciste. Moi, quand j'étais petit, j'étais raciste. J'ai changé depuis. Mais il faut bien comprendre que le colonialisme français, en tout cas, c'était pas brillant. Il faut bien comprendre que le colonialisme français, en tout cas, c'était pas brillant. 而在那个时候，事实上是有非常清楚的种族隔离的，就是说法国人是在一个社群，然后阿尔及利亚人是在另外一个社群。他说他小时候事实上没有认识半个阿尔及利亚人，然后他那个时候不会讲半句那个阿尔及利亚的阿拉伯话，然后他唯一知道的当地的土语都是马来话这样。所以他强调就是说殖民地、殖民主义本来就是一个非常残酷的东西，而且它本来就是一个不文化。他说他小时候是一个种族主义者，当然他现在不是，但是因为他出生在被放的殖民的阿尔及利亚。Oui, et puis le phénomène de l'immigration, ça a été un choix économique des capitalistes français à l'époque des années 60-70.On a choisi l'immigration pour faire pression vers le bas sur les salaires. On avait deux choix à faire. Soit la robotisation, c'était le choix du Japon. Nous avons choisi l'immigration. Donc on a fait venir des gens pas cultivés du tout d'Afrique, du Nord, arabes, noirs. Moi, j'en ai connu plein aux usines Renault, hein, parce que j'ai écrit un livre sur les usines Renault. Et ils sont